La perception de la corruption par les Tunisiens a été au centre d'une conférence de presse organisée par le cabinet de sondage One to One. Plusieurs informations et données ont été révélées. Voici l'essentiel de ce qui a été abordé. Quel est le rôle de l'INLUC concrètement dans la lutte contre la corruption? Quels sont les mécanismes à déployer pour cette lutte? Alors, la lutte contre la corruption, précisément le rôle de l'instance, est prévu par la loi, par la législation, précisément par le décret-loi de 2011 relatif à la lutte contre la corruption. Encore précisément, c'est l'article 13. L'instance a 9 prérogatives. Si on peut résumer, ça concerne tout ce qui est sensibilisation, la participation aux politiques publiques relatives à la lutte contre la corruption, bien sûr l'investigation dans les cas de corruption et le transfert à la justice ou toute entité concernée. Comment expliquer dans ce cas que certains Tunisiens, comme on l'a vu, n'ont même pas entendu parler de l'ILUC malgré le rôle qu'elle détient? Bon, si on revient aux statistiques, c'est 50-50. Hein. 50% depuis 2016, avec tout ce qui est fait, on commence à parler de lutte contre la corruption de l'instance pour un travail de 4 ans, bien que l'instance existe depuis 2011, selon le décret-loi. C'est un travail important. Les 50% qui connaissent l'instance, pour moi, pendant les 4 ans, c'est une réussite. Concernant le rôle des médias dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est très important, peut-on envisager par exemple un partenariat entre l'INLUC et les médias ou d'autres ONG ou associations? Justement, on a des partenariats. Ces partenariats existent. En fait, on a une convention de partenariat avec les CNJT. Nous organisons des formations au profit des journalistes d'investigation aussi. Chaque année, pendant le congrès, on décerne un prix pour le meilleur travail journalistique d'investigation. Ce sont nos partenaires. À part les journalistes, bien sûr, nous avons énormément de partenaires avec la société civile. Nous donnons des subventions pour des projets qui ont trait à la lutte contre la corruption et l'incitation à la gouvernance et à l'intégrité. Ce sont nos partenaires et notre travail est très avancé.